Qu'est-ce qui se passe Il bah, y a une privatisation. En 2000, il y avait 500 personnes, par exemple, à Paris, qui travaillaient pour intervenir immédiatement sur les fuites. Mais comme il y a privatisation maintenant, bah, en 2019, il n'y a plus que 120 personnes. Toc-toc, hop, il est où le profit Hop, 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 et la perte, elle est où voilà, hop. C'est du bon taux. Rappelons d'abord qu'il s'agit d'une obligation européenne, la directive de 2003, qu'on a appliquée hein, bêtement. C'est-à-dire qu'il s'agit de, de séparer, toujours la même histoire, hein, le, la distribution du réseau de, du gaz et la production du gaz. Alors auparavant, c'était EDF qui faisait tout ça. Chaîne de commandement très claire, autorité de l'État, euh, service public. Non, ça, ça a été cassé. C'était plus à la mode. Donc on a fait GRDF d'un côté, la distribution, et de l'autre côté, EDF. Et EDF, évidemment, euh, privé, c'est mieux. Donc on a fait NJ, avec la fusion Suez. Tout ça est coté maintenant en bourse. L'État s'est retiré progressivement. BlackRock est monté au capital, enfin la, la fiesta, quoi. tout va bien pour les actionnaires. Le résultat, c'est quoi Eh bien, c'est qu'en fait, on a une multiplication des acteurs, donc dilution de la responsabilité. On a surtout une logique de rentabilité avec une baisse des coûts. Hein, on, on a moins de personnel pour assurer la sécurité. Évidemment, ce n'est pas perdu pour tout le monde. Là, les profits, surtout avec la guerre en Ukraine, explosent littéralement. Et puis surtout, c'est une hérésie économique totale. Parce que ces privatisations, quand il y a un, secte, y a un réseau, et notamment un réseau énergétique, vous n'avez pas une goutte d'énergie de plus sur le réseau. Donc c'est juste de la bêtise, de la maladie mentale et de l'idéologie à l'état pur. C'est bête, ça ne sert à rien, c'est dangereux, ça coûte cher. C'est l'Europe. <laughs>